aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas dans mon décor habituel. Si vous avez suivi, vous savez que j'ai déménagé en Angleterre. Et du coup aujourd'hui je vous fais mon vlog de rentrée, celui que je vous fais tous les ans. Je ne sais pas si avant cette vidéo vous aurez eu mon vlog de déménagement en Angleterre, c'est pas dit, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais poster les vidéos, mais voilà, je suis en Angleterre, je vous en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos, je pense que je vous ferai des room tours, des trucs comme ça, mais pour l'instant je filme assise sur le sol parce que j'ai oublié mon trépied correct à Paris. Voilà, donc du coup je filme avec un trépied improbable mais on fait comme on peut, voilà, j'espère que la qualité de vidéo est correcte. Du coup aujourd'hui je vous fais mon vlog de rentrée habituel. C'est assez particulier parce que ce vlog normalement tous les ans je vous fais mes premières impressions avant d'aller en cours et ensuite je vous fais mes premières impressions après être revenue sur mon emploi du temps, ma classe, etc. Sauf que cette fois-ci c'est pas tellement ça que je vais découvrir mais plutôt d'autres choses disons parce que je connais déjà ma classe et c'est les gens qui sont très très gentils et tout. En fait on est une classe de 25 français qui sont en Angleterre pour le semestre, donc du coup je connais déjà genre la moitié, les trois quarts de la classe, je les connais bien parce que comme on est là depuis une semaine on a eu le temps d'aller faire des petits dîners. Et au niveau de mon emploi du temps je le connais également et il est un petit peu étrange. On nous avait prévenu avant de partir qu'en septembre on allait avoir beaucoup cours, donc je vais avoir des journées de cours qui sont assez grosses, genre de 8h à 17h, enfin des journées normales quoi, avec toujours les mêmes cours, parce qu'en fait c'est assez particulier, j'ai des profs qui viennent de France pour nous donner des cours, et du coup genre le prof de marketing vient, il reste en Angleterre pendant 2 semaines, et pendant 2 semaines on fait que du marketing tous les jours, donc ça je pense que ça va être un peu particulier, il y a moyen qu'en septembre je sois assez occupée et qu'on fasse tout le temps la même chose, mais mis à part ça je pense que notre emploi du temps va être plutôt cool. Du coup ce qui me reste à découvrir en fait c'est l'endroit où je vais être. Je pense que ça va être super joli mais j'y suis pas encore allée. En fait en septembre on est dans un college, donc dans un bâtiment, et en octobre novembre on est dans un autre bâtiment qu'on a déjà vu parce qu'il est plus proche de chez nous en fait tout simplement. Et du coup le premier bâtiment dans lequel on va aujourd'hui je ne l'ai jamais vu du tout. Voilà, et le programme du jour c'est que je crois que ce matin on va faire un peu une visite de Cambridge et cet après-midi on a notre premier cours en strategic management, donc je ne sais pas tellement ce que c'est, on verra bien. En tout cas voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, je suis pas particulièrement stressée parce que je suis déjà dans ma coloc avec tout le monde et on y va tous ensemble etc. Donc je ne sais pas si je vais vous prendre avec moi pour vous vlogger un petit peu le bâtiment et tout ça ou pas, on va voir, mais en tout cas je vous retrouve tout à l'heure pour le débrief comme tous les ans. Voilà, je vous fais des bisous. Coucou, je vous retrouve pour le débrief de ma rentrée. Ça me fait bizarre de vous faire cette vidéo parce que je vous la fais tous les ans et c'est vraiment trop cool et voilà, pour moi c'est un grand moment de nostalgie à chaque fois. Il est 8h moins le quart, en fait je viens de finir de dîner et je ne vous ai rien filmé avant parce que ça a été un petit peu le rush aujourd'hui, on a fait plein de trucs. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était vraiment cool parce que c'était pas trop une pré-rentrée qui sert à rien. Vous savez ces fameuses rentrées où, je sais pas si vous avez vu mon vlog l'année dernière de rentrée, mais en gros j'étais allée à l'école, j'avais pas mon emploi du temps, j'avais pas ma classe, j'avais rien appris et en gros pendant une semaine on n'avait pas eu cours quasiment, enfin voilà, vraiment la rentrée qui sert à rien, on aurait pu commencer une semaine plus tard que ça aurait été pareil. Et sur ce coup là c'était pas du tout ça, donc c'était vachement cool. En fait on est allé donc directement ce matin à Homerton College et en fait ce matin donc c'était vraiment cool parce qu'au début on a eu un tout petit discours d'introduction à la formation et on a fait un truc trop chouette. En fait ils nous ont donné par groupe de 6 je crois des espèces de feuilles et c'était comme une espèce de chasse au trésor, par exemple aller faire des photos devant certains monuments, devant certains des collèges etc, c'était trop cool. Par contre il pleuvait un peu mais c'est l'Angleterre hein, donc on s'y attendait et on a marché de 10h30 à 12h30, un truc comme ça. Ensuite on a déjeuné directement à l'école et l'après-midi en fait on a eu cours et le cours était vachement intéressant. C'était un petit peu la méthode britannique de donner les cours, c'est-à-dire que c'était pas trop le prof qui raconte son truc mais c'était plus de l'interaction, on a eu un petit travail à faire etc et c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'était un cours de stratégie, je ne sais pas si ça vous parle mais c'était la première fois que j'en faisais et ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup on a terminé les cours à 17h30 à peu près et on est rentré à la maison, voilà. Et en fait je ne vous ai pas filmé avant parce qu'on était absolument crevés d'avoir marché autant sous la pluie, ensuite on a mangé etc, enfin bref voilà pourquoi je ne vous ai rien filmé avant. Donc écoutez, ma rentrée s'est très bien passée, pas trop de surprises parce que j'étais déjà au courant de pas mal de choses en y allant ce matin, mais c'était plutôt très cool.
cool, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai l'impression que ces vlogs de rentrée tous les ans font de moins en moins de sens, parce que j'ai plus du tout les pré-rentrées comme j'avais au lycée, mais j'aime bien la faire, c'est la tradition, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée, et si ça s'est pas bien passé, j'espère vraiment pour vous que ça va s'arranger, et je suis sûre que ça ira, voilà. Je vous fais plein de très 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 gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.